Saltus, voici Dr. Scluzy pour une petite saison. Je sais pas si ça va être saison ou plus, mais pour on va dire une série vraiment à part. Bon, oui, ça fait beaucoup. J'ai quoi, Defi Extreme, Tomodachi, Lumash Riva, c'est plus ou moins, puisque bon, c'est pas vraiment une série, c'est plus des matchs. Voilà. Des matchs que j'ai envie de faire. Après, c'est quoi, j'ai la carrière Sporting, donc ça fait quand même 5 séries. Donc vraiment, alors pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, Séoul, c'était vraiment une carrière que je voulais faire. Je crois que je l'ai expliqué dans l'épisode 2, que pour une raison que j'ignore, même moi, voilà, je l'ai dit, ouais. J'ignore, même moi, voilà. C'est très logique, que j'ignore. J'aime énormément les clubs sud-coréens, donc les joueurs sud-coréens. Et donc, bah, je me disais que j'allais faire une carrière sur Séoul, mais encore une fois, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, je vais faire le Sporting. Bon, ça devait être parce que c'est le club que depuis le petit que j'aimais, même si je connaissais pas trop quand j'étais petit. Et donc voilà. Et en plus, je voulais faire ça en même temps que la carrière Sporting parce que l'épisode 2 m'a un peu énervé. Voilà. Voilà, je crois que je voulais faire un peu de changement. Bon, voilà. Je voulais juste faire ça. Donc, nous pouvons continuer. Alors, pourquoi c'est lourd? Parce que c'est un grand club. La Corée du Sud. Je crois que c'était en 2010 ou en 2009 qu'ils ont commencé à devenir vraiment, mais vraiment forts. Hein. Parce que quand même, les clubs sud-coréens, ils sont un peu irréguliers. Sans être méchant, bien sûr. Je vais pas être méchant, mais ils étaient un peu irréguliers. Et Séoul, bah, c'est un club qui commence vraiment à être un peu, je veux dire, régulier. Voilà. Je sais pas où ça a vraiment commencé, je crois que c'était vraiment en 2010. Donc toi t'es blessé, donc un MG ça serait bien, voilà. Et donc, bon après je ferai le ménage ici, parce que c'est très confus. Ok, alors, règle, s'acheter plein, et plein, de, pas beaucoup, mais des milieux. On en manque. Donc, toi, tu viens par un... Par lui, voilà. Toi tu vas quitter, tu vas aller pour lui, tu vas aller là, ça me semble bien. Donc je vais pas vraiment essayer de dire leur nom parce que bon, après j'ai une difficulté quand même à dire leur nom parce que celui-là je l'aurais dit Go-Yohan, voilà, Go-Yohan, voilà. Donc voilà, c'est quand même un peu mal comme prononciation, je crois. Donc voilà, je vais pas essayer. Donc voilà, en plus, ce Go-Yohan, dans Football Manager, il s'appelle Go-Yohan. Avec un K. Voilà. Peut-être c'est un endroit ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc, bon, commençons le premier match qui s'appelle le Trophée des Champions. Je crois que ça va être type une sorte de mini Champions League asiatique. Je crois. Je le vois comme ça. Après, je sais pas vraiment. C'est plus une compétition amicale, mais bon. C'est quand même un peu dommage qu'on a juste type l'Europa League. Oh, Adriano. Voilà, j'aime bien Adriano. C'est un bon joueur. Donc, je vais essayer un peu de moins parler sur les matchs parce que. Comme ça, après, ça retire la concentration, voilà. Donc voilà, je me tais un peu. En plus, il y a les commentaires qui parlent. Donc, voilà, ça devrait avoir un peu. Ok. Donc voilà, ça va être une carrière à part que j'espère passera mieux que le Sporting et que je m'énerverai moins. Parce que vraiment à la fin de l'épisode j'étais vraiment surprême, hein. C'était vraiment vraiment on dirait que à un moment j'allais transformer en Super Saiyan.
Bon, voilà. Bon, ici, j'essaie un peu plus de folie parce que quand même, c'est un niveau plus faible, donc voilà. Tu peux essayer un peu plus de folie, c'est un peu plus faible. Parce que bon, faut jamais faire ça, type, je sais pas, tu peux pas, type, avec, je sais pas, un joueur, un attaquant. Je sais pas, un attaquant qui a 70 de général, faire ça à, je sais pas, Hugo Lloris. Tu vois, ce serait bête. Ça m'énerve toujours. Toujours au dernier moment, je me dis, ah, je vais frapper là, et après, ben non. J'aurais pas dû faire ça. Tu vas le regretter. Oh bah, j'ai pas vraiment regretté. Donc voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai beaucoup d'occasions. C'est bien. Peut-être chiant ce micro, mais c'est pas grave. C'était quoi ce tir tout mou? Le tir trop mou en fait. Ok, c'est encore moi. Allez. Non, 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 non. Non, mais non, mais non! Putain, c'est que. Oh, Jiun ou Jiu. Non, 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 non. Non, mais c'était presque, mais vraiment. C'est vraiment, il touche même pas le poteau. Tu vois? Je crois que s'il effleurait le poteau, mais je crois que j'aurais eu une chance, mais non. Il le touche pas. Bon, pour l'instant, ça se commence bien. Hein, vraiment, je suis très content. Je fais beaucoup. Je joue très très en avantage. Là, Adriano. Non, 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 non. Après un penalty, ça serait bien. Voilà, trophée des champions. Parce qu'ils ont pas. Les droits pour la Ligue des Champions. Je trouve ça un peu. Un peu. Comment dire. Bête, les droits de faire. Sur une compétition. Des droits d'auteur pour une compétition, c'est. Je trouve ça un peu. Bête, mais bon. Je sais pas. Je vais pas. Je sais pas. Je veux dire, je suis pas vraiment sur les lois. Vraiment. Mais bon, quand même. Pour ça, je suis pas vraiment. Je crois que j'ai pas encore vraiment l'âge pour parler des types de lois comme ça, des droits et tout ça. Mais bon, je trouve quand même un peu bête. Pour. Voilà, but, 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 enfin mon premier but! Sérieux! Voilà, je sais pas qui l'a fait. Voilà. Donc voilà. Bon, je disais, je trouvais que c'est un peu bête, mais bon, peut-être qu'il y a vraiment une explication logique, mais bon. Voilà, après, c'est mon avis, hein. Si vous dites que, ouais, le copyright, ça peut aider, ouais. Je veux dire, au moins, voilà, je comprends quand une personne explique. Mais si je veux toujours être le gagnant d'une histoire, je comprends. On explique comment. Voilà. Bon, voilà, je gagne enfin un match. Est-ce que ça va arriver pour tout le temps? Allez, chez vous. Voilà. Encore. Désolé si quelqu'un parle le sud-coréen. Alors qui vient de me dire ouais, tu parles trop mal le sud-coréen. Ça se dit comme ça, mais comme ça et comme ça. Voilà. Bon. Je crois que j'ai très peu de chance de rencontrer un type comme ça, mais on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y a ici un fan de Séoul. Puisque bon, une carrière sur des clubs comme ça, il y a. Je veux dire, je ne crois pas qu'il y ait des tonnes. Mais bon,
pour moi, des types de carrières comme ça avec des ce genre de club, je veux dire, ça peut être intéressant quand même. Type, je sais pas, une carrière comme ça, type sur Football Manager, ça serait bien, type. Type, le faire le meilleur club du monde, tu vois. Et pas juste, type, je vais faire un club anglais, le meilleur club du monde. Je veux dire, après, si c'est votre club préféré, choisissez. Mais voilà, moi je préfère vraiment les ligues faibles, type, je sais pas. Voilà, j'ai du mal à expliquer. Je veux expliquer, mais j'arrive. Ouais. Ils m'ont tous fait un bon match. Sauf un peu toi, Osmar. Hein. Osmar, lui, il a fait le but le plus nul de tous les temps. Bon, je crois que celui-là, il est un peu énervé. Hein. Donc, c'est parti. Je vais essayer de marquer un autre but. Je vais mettre. Oh, j'étais. Allez, offensif. Voilà. Alors, Sang-Han, c'est vraiment une grande histoire avec lui. C'était en FIFA 14. Bon, là, je vais un peu plus parler, mais bon, je devrais pas. Sang-Han. Voilà, Yoo Sang-Han, le gardien de Séoul. C'est vraiment une grande histoire pour moi avec lui. Puisque je crois que c'était mon deuxième choix que j'achète. En fait, le moment que je comprenne comment acheter et vendre des joueurs, parce qu'encore une fois, j'avais des difficultés. Toujours que je voulais acheter un joueur, c'était hors mercato. Voilà. Donc, c'était un peu quand même bête. Mais bon, voilà. Donc, c'était mon deuxième joueur. Je sais pas vraiment quel était vraiment mon premier joueur. Mon premier joueur. Et donc, vraiment, je l'aimais. Je l'aimais bien. Même si, bon, après, c'était là les moments de difficulté. Je choisis un bon gardien. Mais après, je fais peine à l'autre gardien. Parce que, bon, gardien... Je veux dire, il n'y a qu'un seul gardien en match. Tu peux le remplacer, mais bon. Quand même. Après, tu... C'est difficile de choisir entre gardiens. Un gardien que t'aimes, mais l'autre, il est plus fort. Celui que t'aimes plus, il est plus faible. Voilà. Vous avez rien compris, mais c'est... Je fais des explications, mais personne ne comprend. Je fais des explications au hasard complet. On joue mal. Je trouve qu'on n'a pas encore rien fait dans cette seconde période. Bon, j'ai marqué un but, je suis très content. Allez, Goyan. Sérieux, tu me fais passer à Guan. Parce que Goyan. Goyan! C'est pris. Ok, c'est pris. Trop. C'est rien. Vraiment, lui, il peut faire des buts magnifiques, mais il ne réussira jamais. Sans le joueur parfait, mais pas trop. Je suis parfait pour tirer, mais pas droit. Allez, à la centre. Voilà. Jamais faire descendre. Non! Voilà. Non! Voilà. Voilà, voici mes réactions. Oh non! Mais il va jamais réussir à faire du but, lui! Soit il fait trop haut, soit il fait trop à côté. Sérieux?
Non, je pouvais faire un deuxième but. Donc voilà, normalement, bon, ces types de séries, type Séoul, je pense que ça sort vraiment si je suis vraiment un peu, comment dire, énervé. Le type, ce sera un peu la série, tu vois, repos, reposé. Pour moi, les séries reposées, c'était un peu Tomodachi, mais voilà, aussi... Aussi, il faut un peu d'énergie pour Tomodachi, hein, pour sortir des blagues et tout. Il faut de l'énergie. Oh, 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 c'est quoi cette violence? Ah, mais genre, ils sont morts. Ah, ils sont morts. C'est pour ça que j'ai plus trop d'occasions, ils sont morts. Allez. Une minute. Ils vont pas quand même marquer à la minute. Non, c'est impossible. Ou c'est possible. Oula. Oh, j'avais eu peur. Ça va. Bon, on veut dire que ça, c'est le Champions League de l'Asie. Voilà. Voilà, on va imaginer, ok. Non, voilà. Vous voyez, trophée des champions. Alors, je ne veux rien de ça. Alors, King Shimuk. Ça, c'est un bon jeu. Ça, faut l'avoir. En plus, c'est d'une équipe rivale, alors faut le vouloir. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Premièrement, paramètres. Oui, je suis. Alors, mon équipe. Mon équipe. On change pas une équipe qui gagne. Alors je sauvegarde. Non, voilà. On peut y aller pour notre second match. Alors je vais voir. Ah. Hé, plagiat, plagiat de maillot là. Oh, 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 plagiat. Attends, on dirait qu'ils ont que le deuxième maillot de Cyril, ils ont le logo de France aussi au milieu. Ah, attention, but! C'est quoi ce mouvement? Voilà! 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 C'était raté! Voilà, j'ai encore oublié de retirer l'anglais. Je devrais avoir un peu de... Donne-moi la balle. Voilà, non, non. Passe. Ah, il court rapide quand même. Oula, j'ai pas compris, est-ce que c'est moi qui l'a fait la faute ou c'est lui qui m'a fait tomber? Oh, j'ai rien compris de cette action. Oh, c'est drôle. Oh, il a frappé l'arbitre. On dirait. Allez, 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 ils vont pas marquer, ils vont pas marquer, ils ont marqué. Bon, bah, je sais pas si on va réussir à gagner tous les matchs. Hein. Je crois qu'on va être pire que le ciel de la réalité, parce que quand même, je crois qu'il a juste perdu un seul match pour l'instant sur la saison. Bon, faut dire, ils ont fait quoi? Au moins 8 matchs. Moi, je veux dire, peut-être qu'ils ont eu la chance aussi. Mais bon, voilà, c'est quand même un club grand. Voilà.
Voilà, égalité. Alors, aussi, en fait, c'est là que je me rends compte, puisque j'ai aussi la seule carrière de Silo où je l'ai fait. Bon, j'avais fait une sur FIFA 14, mais pas très longue, je crois que j'avais juste fait 4 matchs, et c'est tout. Parce que je m'ennuyais trop. Puisque, en fait, je sais pas si il y a autre chose, mais pour l'instant, dans FIFA 14, il y avait juste la ligue. Il n'y avait pas de coupe, il n'y avait rien. Donc, tu vois, ça serait vraiment la répétition au max. Voilà, c'est pour ça que je m'ennuyais au bout de 4 matchs. J'étais très impatient. Donc là, bon, je disais, la différence entre le Football Manager et FIFA, bon, c'est une différence logique. C'est quand même, tu vois quand même la différence du niveau des joueurs. Voilà. C'est parce que si vous... Ben, celui qui... Je crois que c'était You... Avec deux I ou un L, je ne sais plus. Attends, je crois que je vais l'avoir. Hop, voilà. Lui, normalement, c'est vraiment un joueur plutôt mauvais. Alors qu'ici, quand même... C'est... Il n'est pas fantastique, mais bon, il m'a marqué deux buts. Il m'a l'air fort. Voilà. C'est ça une différence. Une différence logique, mais bon, une différence quand même. Ah, chien de riz. Oula, il y a trop de joueurs. Là, oula, mais attends. Voilà, moi je peux pas faire ça. Comment il a fait? Allez. Ouh, c'est quoi ce fun du génie? Non. Bon, ils ont plus possession, mais c'est pas grave. Enfin, je crois. Si, c'est quand mon joueur, il s'est dit, je veux récupérer la balle. Il va faire sortir et leur faire un corner. Et leur faire marquer un but. Ok, j'avais un joueur qui pentait là-haut. Et regarde comment il a lancé sa balle. Non. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, même si c'est une égalité, mais ça se passe pas trop mal. Ok, on va un peu changer. Hop. On va mettre toi. On va mettre toi par lui. Non. Toi, tu restes. J'ai dit par lui. Ah, est-ce qu'on a un droitier? On n'a pas de droitier. Ok. Bah, on va changer de cadre. Je vais te faire voir. Voilà, je fais toujours 3 changements. C'est marré. 3 changements. Parce qu'après, j'oublie les autres changements. Allez, un rouge. Juste pour me faire content. Même si. Il ne mérite pas un rouge. Mais c'est juste pour me faire content. Allez. Oula, c'était quoi ce but? Un but pas vraiment extraordinaire, mais bon. C'est pas grave, c'est un but. C'est pour moi en plus. Voilà. Voilà.
vois, là je suis heureux, hein. Et je fais ça le même jour que j'ai fait la carrière sportive. Donc voilà, tu vois bien, FIFA, c'est un peu Call of Duty. Tu peux passer à la joie extrême, à la rage ultime. Voilà, FIFA Call of Duty, c'est la même chose. Sauf que dans FIFA, il y a moins de... Il y a moins d'hommes. Oh, c'est quoi ça? M'a repoussé. Allez Ousmar, allez Ousmar. Bon bah cette fois-ci il a pas fait mou mais il a fait extrêmement à l'autre côté. Non, je déteste quand il tourne pas. Ah voilà, je suis concentré là. Bon, pour l'instant, hein, ça, je dirais au premier match, il passe bien, donc voilà, c'est l'important. Alors, je sais pas vraiment si ça va durer beaucoup de temps ou pas, peut-être une saison, peut-être deux, ou voire trois. Mais vraiment, je ne pense pas que ça va être type 5 saisons, type jusqu'à type l'objectif, type être le champion team. Justement. Je crois que, bon, celui-là, on a un peu de chemin à faire. Avec Sporting, on a beaucoup de chemin à faire. En plus, celui-là, il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de ligue asiatique. C'est-à-dire ligue des champions. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Je veux dire, après, ils ne pouvaient pas quand même faire tout, sinon... Oui, il pouvait un peu faire, mais bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'équipes asiatiques. J'attends que la balle sorte. Là, tu peux le voir. Après, la manière PS ou PES. Oh. Bon, leur manière de type faire chez ces autres ligues des autres continents que celles européennes, c'est de mettre juste les équipes sur la Ligue des Champions. Type en 2016, ils mettent les équipes, type les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions 2016. Donc voilà, c'est une bonne idée. Mais après, il y a beaucoup de clubs qui reste sans ligue, donc si tu veux faire une carrière avec, c'est mal parti. Après, c'est une bonne idée, je dis pas que c'est une mauvaise idée, attention, c'est une bonne, mais voilà. La majorité de ces clubs, ils ont pas de ligue à eux-mêmes, voilà, ils sont pas dans leur pays, ils sont peut-être dans leur continent, mais pas dans leur pays. Voilà. J'espère que c'est compris. Ces explications.
Voilà, c'est une bonne idée, mais comme toujours, une idée, ça peut avoir toujours, mais toujours un inconvénient. Que ce soit grand ou petit. C'est toujours comme ça, les idées. Voilà. Bon, 2-1. Bon, on gagne toujours avec un petit avantage, mais l'important, c'est de gagner. Mais aussi de détruire les autres équipes. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on est vraiment premier du sommet. Donc voilà. Je simule toujours les entraînements. Parce que sinon, tous mes joueurs, ils ont des F. Et donc, ça servira à rien. Donc, mise à jour corrigée sud. Oui, mais... Je veux dire, j'ai pas vraiment envie. Ah, ok, c'est juste pour dire... Bah, tu peux participer dans des pays, et puis voilà, hein. Mais tu peux pas les choisir. T'es obligé de faire avec l'Inde. Voilà. J'ai rien contre les Indiens. Voilà. Faut toujours qu'ils disent ça. Oui, j'ai rien avec ça, mais il faut toujours que je fasse des blagues comme ça sur eux. Ok, en fait, il y a rien comme information. Attention, les infos les plus importantes. Si on connaît le programme. Mais ça, c'est sorti au moins 3 semaines, monsieur. Il n'y a rien. Ok, donc voilà. Comme je l'ai dit, c'est une série qui est pas vraiment une série type il y a un objectif. C'est vraiment une série pour s'amuser. C'est un peu le match Riva. C'est pas vraiment une série pour dire « Waouh, regardez celui-là, il est plus fort que celui-là. » Non, c'est juste vraiment... On s'amuse avec les équipes qu'on veut, qu'on sent que ça serait un match intéressant de faire contre eux, ou tout juste simplement, comme le titre dit, bah, match rival, sans de toute façon tomber un peu dans la facilité, type Barcelone-Real Madrid. Ça sortira peut-être à la fin, quand on aura vraiment plus d'idées, mais je crois pas que ça sortira. Donc voilà, à bientôt pour un prochain épisode d'une série, parce que celui-là, je crois que ça va pas vraiment être une série très, très... comment dire, qui sortira beaucoup d'épisodes en même temps. Donc voilà, à bientôt.